A que les montines aquí, que pense que Jacques Baudouin qui l'avait trouvé et en parallèle d'accord oui à quoi qu'il a la première formation des canicules qui en parlerai après en parallèle d'accord il y avait c'est pas la chronologie mais qu'avaient découvert Jacques et Jean Baudouin, enfin c'est pas exactement qu'avaient tout compte des castuns cadéens, qu'avaient tourné trouvé une bourre à Berriot-Bergonce, ou Bourriot-Bergonce, ou à la région, ça ne fait pas espérer à qui. Et donc, être intéressé, espérer à ce costat, t'avais à la musique de Gascogne, et pense que Jacques qui commençait à collecter des yacaus. Le disque, si on regarde, finalement, Cyril de Rondeau, il y en a un qui est de d'Ouba, je crois. Il y en a un qui est de... etc. Et il y en a un qui est d'Alexis Cap, que je connaissais très très bien, le violon. Je le connaissais très bien en tant que musicien, mais je le connaissais aussi très bien différemment, parce que c'était un copain, entre guillemets, à Papy Gasson, à mon grand-père. Puisque mon grand-père, qui était régisseur d'un propriétaire, lui donnait du travail en tant que résigné ou pour faire tout un tas de travaux donc, de la forêt, puisqu'il faisait ça. Et donc on se connaissait très très bien, et donc je l'avais collecté évidemment. Pourquoi cet air géographique? À mon avis, c'est relativement simple, parce que les seuls documents dont on disposait, c'était Arnaudin, Briffeil, Rivarès, je sais que Jean-François a beaucoup travaillé sur Rivarès, mais c'est tous des gens qui sont sur ce secteur, c'est-à-dire Landes et Pyrénées-Atlantiques, enfin Pyrénées-Atlantiques côté Bernay, côté Basque. Donc automatiquement, on a joué sur ces morceaux-là. Après, je pense que Jean-François, ou peut-être Jacques, serait tombé sur un bouquin du Haut-Agenais, et bien il l'aurait chopé. Mais à cette époque-là, on tournait sur Pau, autour de Pau, avec pour moi le plus important qui était Arnaudin. Mais après, on n'avait pas d'autres documents à notre disposition, ni d'autres collectages. Parce que les collectages sur le Haut-Agenais et tout ça, c'était pas nous qui les faisions, c'était Pierre-Boissière.